Donc vous découvrirez juste après le nouveau logo qu'on va vous révéler à l'extérieur de l'agence. Et vous êtes tous invités pour un cocktail sur la terrasse du 5e étage tout de suite après. Merci. Merci d'être déplacés aussi nombreux pour cet événement majeur pour la banque. Maintenant, le masque, il fait partie de notre vie. Inch'Allah, j'ai le droit de venir à jamais, Inch'Allah. Donc, je voulais dire merci à tout le monde d'être déplacés aussi nombreux pour cet événement majeur pour la banque. Et avant tout, je souhaite remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé pour cet événement et pour ce nouveau logo, parce que c'est une longue course. On a commencé à peine 5 mois. Donc, il fut un travail assez intense, assez laborieux. Le résultat, vous le voyez aujourd'hui. Donc je suis assez content de ce qui a été fait. Je souhaite, au nom de l'ensemble de l'UBC, de les remercier, l'équipe COM, l'équipe DNG, l'équipe DSI, toutes les équipes qui ont travaillé pour réussir cet événement. Effectivement, comme l'a dit Lynn tout à l'heure, on a commencé samedi par une fête pour l'ensemble des collaborateurs de la banque. Et c'était un moment de communion assez intense. Et je voulais remercier tous ceux qui sont déplacés pour cet événement, parce qu'effectivement, c'est un moment où on a su toucher une ambiance familiale qui servira justement, on va dire, d'exemple pour les années à venir. Je voulais aussi dire un petit mot au nom de Monsieur le Président, parce que normalement, il devrait être parmi nous, mais l'agenda ne lui a pas donné cette chance, puisqu'en fait, il prépare son voyage. Je pense qu'il doit être dans l'avion maintenant. Il a souhaité être parmi nous aujourd'hui pour partager ce moment de partage qu'on a aujourd'hui. Avant d'inaugurer la plaque pour ce nouveau logo, je voulais tout simplement dire ce que nous ressentons aujourd'hui, parce que les jours passent, les années passent et l'UBCI reste une grande institution. Et enfin, pour ses collaborateurs tout d'abord, pour ses clients certes, mais aussi pour le secteur bancaire et pour tout le pays. Il est riche de 60 ans d'histoire, voire plus, puisque les racines de cette institution, comme vous le savez, remontent à très longtemps. Alors ça remonte à la fin du 19e siècle, à 1894 précisément. L'UBCI se remet en scène avec un nouveau logo pour continuer à servir l'économie du pays. Sans nier son histoire, il est plutôt tourné vers l'avenir avec beaucoup de confiance. Un nouveau logo est un nouveau départ. Tout en capitalisant sur sa grande expérience, il marque aussi un moment majeur dans cette banque, puisque je pense que pour la première fois, cette banque, elle est presque tunisienne à 100%. La banque, tout en étant attachée à l'élan d'excellence qui est la sienne, elle est toujours ouverte et sensible à tout ce qui l'entoure. Le monde est toujours changeant et on souhaite lui donner le mieux d'entre nous. Moi, je voulais dire un seul mot, c'est joyeux anniversaire au BCI et vive le BCI. Je vous invite tous. Je vous invite tous à découvrir, même si vous l'avez découvert, mais pour, on va dire, pour la forme, ce nouveau logo. Et je souhaite que vous allez nous suivre après pour ce petit moment qu'on partagera ensemble. Merci beaucoup.